sur cette semaine de vacances, sur ces 4 jours, eh bien, on a décidé, avec la proposition qui nous a été faite par Calam, ce cher Calam, de mettre en place un atelier d'écriture qui serait plutôt destiné aux filles, essentiellement débutantes, c'est-à-dire des jeunes filles qui n'ont pas encore eu d'expérience d'atelier d'écriture. L'idée vient aussi du fait que y a eu Fina qui a intégré l'équipe d'Effort de Conscience, donc ça a apporté une dimension féminine à mon avis indispensable à ces ateliers qui ont lieu habituellement le mardi et qui sont majoritairement masculins. Voilà, donc c'était l'occasion aussi peut-être de renouveler cette activité et puis d'amener d'autres jeunes vers cette pratique. Et écrire donc les filles 4 phrases ensemble. Ce sera les quatre mêmes phrases pour tout le monde. Ce sera la boucle au refrain, donc il faudrait que vous vous mettiez à une table et que vous écrivez vos 4 phrases. Et vous essayez de vous... vous écrivez 4 phrases, vous parlez entre vous, et vous écrivez 4 phrases à vous. Ah, tu vas aussi, tu t'entraîneras après, on essaye d'écrire les 4 phrases. Mathilde aussi, tu vas. C'était vulgaire. Vulgaire de merde. Ici, bois, on représente les jeunes du quartier. Je croyais que nous deux c'était pour la vie, mais le lendemain tout était fini. Mais ce rêve-là est devenu réalité. Ouais, c'est peut-être un peu trop aigu quand même, parce que ça fait fausse note à la fin. Pas joli. Non, ça dit, même le long, même pendant que tu chantes, c'est toujours la même chose en fait. Tu changes pas vraiment, il va falloir que tu fasses un petit peu moins aigu. On peut prendre ça la partie, il va falloir que tu t'entraînes juste parce que c'est pas juste. Il y a des moments où ça sonne pas l'oreille. La vie, c'est pas toujours comme on veut, mais souvent comme on peut. En pensant à lui, j'oublie tous mes soucis. Ici bas, je sais que le passé est dur à oublier, mais ne t'en fais pas, je t'aiderai à avancer. Ici bas, on pense trop à l'amour qui nous déçoit, mais malgré tout ça, la famille est là. Ici bas, on représente les jeunes du quartier qui finissent en chantier, mais malgré tout ça, ils nous ont très bien éduqués. Je serai riche pour dégager tous ces huissiers qui se courent après que toute la galère allait.